Bonsoir, Pascale Isartel, directrice du département son vidéo multimédia de la Bibliothèque nationale de France. Et j'ai le plaisir ce soir de pouvoir lancer un nouveau cycle à la BNF sur les nouvelles écritures. Alors, rien que le nom pose question, mais ça va être justement une partie de ce débat qui va être animé par quatre intervenants. Nous attendons la quatrième, donc je vais un petit peu resituer le pourquoi d'un cycle sur ces nouvelles écritures à la BNF. Dans la perspective un petit peu de nos activités, des activités de conservation, de diffusion de ce département très particulier, qui a pour devise de collecter aujourd'hui le patrimoine de demain. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord que ces nouvelles écritures? Je sais que ça vous a déjà posé question dans la préparation. On va re-questionner dès qu'il y a nouveau dans un terme, dans une appellation. On est déjà très en retard sur la réalité qui, dans ce secteur, est galopante. Alors, moi, j'apprécie particulièrement la définition du CNC, du Fonds d'aide aux expériences numériques, que Merci. préside depuis peu, et il nous fait l'honneur d'être là, donc Alexandre Michelin. Qui présente donc les expériences numériques comme des œuvres audiovisuelles innovantes fondées sur une démarche de création interactive et ou immersive. Ce champ d'intervention recouvre notamment les œuvres destinées aux technologies immersives, réalité virtuelle et augmentée, et les narrations interactives conçues pour le web ou les écrans mobiles, naturellement hybrides et transdisciplinaires. Ces œuvres se situent principalement au point de rencontre du cinéma et du jeu vidéo. Alors nous, ça nous va bien, puisque le département son, vidéo, multimédia, on a tous ces objets, tous ces contenus dans nos axes de collecte. Parce que, évidemment, la mission première de ce département relativement nouveau à la BNF, en tout cas moins ancien que, évidemment, toute l'antériorité de cet établissement séculaire, c'est justement de collecter, de constituer un patrimoine par un moyen qui s'appelle le dépôt légal, l'obligation qui est faite aux éditeurs, aux producteurs de déposer donc leur production, leur contenu, leurs œuvres à la Bibliothèque nationale de France. Donc c'est un axe de collecte qu'on a identifié assez tôt, justement, toutes ces œuvres, toutes ces productions autour de la création numérique et qui nous intéresse particulièrement avec toutes ces notions, les mots-clés, interactivité, immersivité et toutes ces potentialités autour donc de devices, de moyens de diffusion nouveaux, innovants. Donc, on peut considérer que ces œuvres, elles sont les œuvres les plus innovantes de la BNF, mais du coup, les plus compliquées aussi à archiver, à conserver. Alors, c'est un défi pour nous, sur lequel on travaille depuis plusieurs années, puisqu'il y a quand même une antériorité historique de toutes ces productions, et qui nous pose question, qui interroge nos moyens d'archivage, de conservation numérique pérenne, puisqu'on travaille, nous, évidemment, pour l'éternité devenue numérique. Donc c'est un secteur qui nous intéresse bien sûr du point de vue de la conservation et on va tenter d'avancer sur ces questions en lien direct avec les producteurs, en particulier l'association PXN que vous représentez, Oriane Hurard, ce soir. Et nous envisageons sur l'année 2021 un atelier, des ateliers pour justement tenter de résoudre les problèmes de collecte, de dépôt et d'archivage à la Bibliothèque nationale de France. Parce que, en quelque sorte, nous sommes la mémoire des industries culturelles et créatives dans bien des domaines, la musique par exemple pour nous, hein, depuis le début du XXe siècle. Et nous sommes en quelque sorte votre mémoire, vous qui êtes plutôt dans une stratégie de production, d'innovation permanente. Nous essayons, nous, de conserver votre travail et de pouvoir donc témoigner de ces créations, à la fois pour un public de chercheurs, bien sûr, qui consultent le dépôt légal, mais nous sommes aussi un lieu de diffusion, et ça on le sait moins, mais nous souhaitons contribuer, et c'est aussi le sens de ce cycle aujourd'hui, à la fois faire connaître cette mission de dépôt légal et cette mission de conservation, mais aussi donner à voir ces productions et être ce lieu de diffusion, à la fois donc pour un public spécialisé, pour un public de professionnels, mais aussi pour un public beaucoup plus large dans les espaces tout publics de la bibliothèque, dans cette bibliothèque sur le site François Mitterrand, et bientôt à Richelieu, à partir de 2022, dans un très bel écrin que sera la salle ovale et qui sera dédiée donc au patrimoine et à l'histoire de l'art. Parce qu'il y a énormément de productions dans ce domaine, et Alexandre, vous en témoignerez, puisque c'est le sens de la création de ce Knowledge Immersive Forum que vous avez créé cette année et qui va prendre toute son ampleur l'année prochaine.
Donc voilà, être à la fois un petit peu au service de la conservation et être partenaire de vos productions pour la conservation, être un lieu de diffusion dans de multiples espaces de la bibliothèque et avoir ces coopérations, ces interactions pour faire connaître ces productions extrêmement diversifiées et extrêmement créatives en France. Hein, c'est vraiment un secteur de la production numérique qui est particulièrement animé par les entreprises françaises. Donc ce cycle va se structurer autour de, sur le premier trimestre et le premier semestre même 2021 par différentes sessions, différentes séances. Quelques exemples, en février autour de la fiction interactive, en mars par la restitution d'une résidence numérique, parce que c'est aussi la manière dont s'engage la BNF autour de cette création numérique, en développant des résidences numériques en collaboration avec la Villa Médicis, et nous accueillerons donc la restitution de Judith Guez, qui est une artiste, chercheuse, créatrice d'un festival recto verso autour de la réalité virtuelle, qui viendra donc présenter le travail qu'elle a fait pendant plus d'un an autour donc des collections de la BNF dans le cadre d'une œuvre de réalité virtuelle. Donc ça, c'est pour le mois de mars. Deux rendez-vous en avril, une collaboration qu'on a déjà construite avec le festival Pixie, avec le Sunny Side of the Dock, et il y aura donc un temps fort au mois d'avril, début avril, avec une deuxième édition de ce festival Pixie hors les murs, ici à la BNF, autour des hybridations dans l'écriture documentaire. Et le 10 avril, un autre aspect de ce que nous, on considère être de la création numérique, avec le festival Mashup, autour de ce prix sur le Mashupons le patrimoine, qui permet donc de créer des œuvres à partir de fonds de la Bibliothèque nationale de France, du CNC, et donc de recréer des œuvres d'une manière tout à fait intéressante et assez débridée en général. Parce que ce qu'on veut témoigner aussi ce soir, le message qu'on veut faire passer, c'est que cette Bibliothèque nationale de France, qui est certes un énorme coffre-fort qui recèle des trésors depuis des centaines d'années, c'est aussi un matériau pour la création numérique qui pourrait être exploité par toutes ces productions. Donc pensez à nous, Gallica, c'est actuellement 8 millions de documents, ça peut être aussi une source, et nous sommes là aussi pour accompagner cette création contemporaine par l'utilisation de ces matériaux. Et donc, pour finir au mois de mai, une table ronde sur la bande dessinée numérique. Et puis, donc, tout au long de l'année, des coopérations que je viens d'évoquer, qui seront complétées par un colloque sur la littérature numérique, parce que c'est aussi un domaine d'expression. On l'espère en présentiel, la participation au KIF en décembre. On a évoqué des ateliers très concrets autour de la collecte et du dépôt avec PXN, et on espère aussi un événement autour des 20 ans du 11 septembre avec Lucid Realities, un des studios de production qui anime beaucoup l'association PXN, et puis donc être présent aussi là où vous êtes, notamment à La Rochelle pour le Sunny Side of the Dock. Voilà, être vraiment, chaque fois qu'on peut, en partenariat, et pouvoir suivre toutes ces productions éminemment créatives. Donc, merci à vous d'être présents. Merci à Xavier de la Vega et au blog documentaire qui analyse, qui suit, qui valorise toutes ces productions depuis longtemps, d'animer ce débat. Agnès Alfandéry qui nous rejoint, qui a bravé l'esplanade glissante et puis les conditions sanitaires particulières. Je vous laisse passer. Donc, de l'Institut français, merci beaucoup. Alexandre Michelin, notamment donc créateur du KIF et puis donc président de cette commission sur les expériences numériques du CNC. Donc Oriane Urard, qui représente PXN et qui produit et qui investit ce champ depuis longtemps. Je vais remercier, outre les intervenants, bien sûr, je vais remercier l'équipe du service multimédia, Élodie Bertrand et donc Nicolas Lopez, qui sont vraiment, depuis de nombreuses années, en lien avec toutes ces productions. Ce sont nos collecteurs, et donc les contacts directs qu'ils établissent ont permis de construire ce cycle. Et puis aussi, bien sûr, le service des manifestations, Richard Dao, Muriel Couton, qui nous ont beaucoup aidés à monter ce cycle, les techniciens qui nous permettent d'être en streaming ce soir, dans ces conditions qui nous permettent quand même de lancer ce cycle. Donc merci beaucoup à eux, et la délégation à la communication, qui nous aide à faire connaître ce cycle, à faire connaître nos activités. Merci à tous, bon débat, et encore merci d'être là. Merci. Alors,
Donc bonsoir d'abord. Alors, quand j'étais en train de préparer cette table ronde, un souvenir m'est revenu à l'esprit. C'est le souvenir d'une exposition que j'ai visitée pendant les années 2000, en 2005 précisément. Alors, s'il y avait un public en face de nous, je demanderais à la cantonade qui connaît Rikrit Tiravanija. Il n'y a personne, alors du coup, je me tourne vers vous. Est-ce que quelqu'un connaît Rikrit Tiravanija? Non. Alors voilà, Rikrit Tiravanija est un artiste contemporain thaïlandais, très très coté dans le milieu de l'art contemporain, un des tenants de l'esthétique relationnelle, qui s'est fait connaître en organisant des soupes collectives dans des galeries, des tournois de ping-pong dans des musées, ou encore en transformant un local de musée en un appartement, où que les visiteurs étaient libres d'habiter pendant des jours et des nuits. Alors en 2005, le musée d'art moderne de la ville de Paris lui a demandé d'organiser une rétrospective de son travail. Ce qui évidemment posait pas mal de problèmes, puisque comment organiser une rétrospective d'œuvres par essence éphémères et relationnelles. Et alors, ça a donné une exposition assez déroutante, puisqu'elle consistait en fait en un ensemble de 6 mèses vides, dans lequel il y avait exclusivement des titres, avec la date et le lieu de création des œuvres. Et la seule manière finalement de connecter avec ces œuvres, c'était par l'intermédiaire d'un guide, qui se transformait en conteur et qui racontait les œuvres qu'avait créées Rikrit. Et du coup, c'est le travail de ce conteur qui me permet d'ailleurs aujourd'hui de vous raconter à mon tour la fameuse rétrospective de Rikrit Tiravanija. Alors, si je vous parle de ce souvenir, c'est parce qu'il entretient des liens assez étroits, à mon avis, avec le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Parce que récapitulons, nous sommes ici pour parler d'un continent certes foisonnant de la création artistique et culturelle. On peut l'appeler nouvelles écritures, nouvelles narrations, créations numériques. Nous verrons plus tard sur quel terme nous fixer. C'est un continent foisonnant donc, mais c'est un continent qui ressemble aussi à des œuvres souvent à peu près aussi connues que les œuvres de Rikrit Tiravanija. Alors vous avez peut-être essayé à l'occasion de parler à un voisin de comptoir de web documentaire, de transmédia, de fiction interactive, voire de réalité virtuelle parfois, et j'imagine qu'il vous est arrivé de susciter une certaine perplexité chez votre interlocuteur. De même, les œuvres en question sont parfois aussi éphémères que celles du bon Rikrit, puisque en raison de l'obsolescence technologique, des œuvres entières que l'on pouvait voir sur un ordinateur, du jour au lendemain, elles disparaissent complètement. D'autant plus qu'on ne peut non plus pas les voir sur un téléphone portable ou sur une tablette. Comme vous le savez, le logiciel Acrobat Flash Reader est définitivement mort. En fait, il est mort depuis que je suis rentré dans ce secteur, hein, on en parle depuis ce temps-là. Mais voilà. Alors, du coup, bien sûr, ce continent de la création n'est pas seulement un continent englouti, loin s'en faut. C'est même un continent qui, dans la tectonique des pratiques culturelles, est en train de s'affirmer avec vigueur. Pour ne parler que d'un événement particulièrement marquant, lorsque l'entreprise Facebook a acheté en 2014, pour la modique somme de 2,3 milliards de dollars, une start-up appelée Oculus, qui était en train de développer le casque du même nom, beaucoup d'observateurs se sont dit que ces narrations, un peu biscornues, créées par des geeks et pour des geeks, risquaient fort de devenir une véritable industrie. Alors, il y a même certains parmi vous, je suis sûr qu'il y en a plusieurs, qui voient dans ces narrations, enfin, parmi nous, qui voient dans ces narrations ni plus ni moins que les narrations du futur. Alors, peut-être pour resituer un petit peu cette histoire, un bon point de départ consiste à vous demander à chacun de vous quelle est votre rencontre, comment s'est fait votre rencontre avec ces créations et quelle a été finalement votre trajectoire au contact des créations numériques. Peut-être on peut commencer par Agnès Alfandari. Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup de cette invitation. Pour répondre à la question, moi je suis tombée dedans dès que j'ai commencé à travailler en fait. Je suis historienne de l'art de formation, donc pas forcément de lien direct avec les technologies, mais j'ai commencé à travailler en plein boom en fait de l'Internet dans le milieu des années 90. Et donc, voilà, mais mon premier travail, ça a été
de travailler sur des œuvres d'art, mais pour des supports numériques, de l'édition, etc. Et puis j'ai beaucoup travaillé ensuite, toujours dans ce secteur-là, pour des musées. Donc mon entrée dans la création numérique, elle est passée d'abord par la médiation numérique et ce que pouvaient apporter les nouvelles technologies à des nouvelles formes de transmission du savoir, en fait. Puisque j'ai beaucoup travaillé sur des ouvrages de vulgarisation numérique ou des dispositifs de vulgarisation, des dispositifs de guidage, des tables interactives dans les musées, avec toujours ce lien entre le sujet et les nouveaux usages qu'on pouvait développer pour aborder le sujet, en l'occurrence l'œuvre d'art, puisque je travaillais essentiellement pour des musées. Donc ça a été ça, la rencontre. Je ne suis plus jamais partie et très heureuse aujourd'hui d'avoir largement élargi le champ qui était donc celui au départ de la médiation numérique pour vraiment m'intéresser à l'ensemble de la création numérique, que ce soit le livre innovant, le transmédia, la VR, etc. Parce que je trouve que c'est un champ de création tout à fait passionnant, dynamique. Et donc vous avez rejoint depuis quelques années l'Institut français. Je dirige depuis 4 ans maintenant le département numérique de l'Institut français. Je ne sais pas si vous voulez que je rentre dans le détail dès maintenant. Mais simplement peut-être mentionner aussi que vous avez été directrice numérique du Louvre, ce qui n'est pas... Oui, tout à fait. Alors peut-être Auriane, comment s'est fait cette rencontre avec ces créations ? Oui, moi je suis née dans les années 80, donc à la fin des années 80 même, donc mon début de mon entrée dans la vie active, aussi bien étudiante que professionnelle, elle correspond parfaitement à l'émergence de ces nouvelles écritures au transmédia, au premier web documentaire. Et j'ai fini par mes études par un master de production audiovisuelle à l'Institut National de l'Audiovisuel, à l'INA. Et mon mémoire de fin d'études portait sur la fiction transmédia et ses liens avec la création audiovisuelle française. Donc je suis rentrée directement là-dedans. Et j'ai travaillé ensuite à la Générale de Production, donc avec Jérémy Pouilloux, qui a été un des précurseurs en France dans ce domaine et qui a créé à la même époque l'association Transmedia Immersive University. Et on a ensemble monté le premier événement du genre en France qui s'appelait I Love Transmedia, qui s'est déroulé pendant 6 ou 7 ans à la Gaîté Lyrique. Moi, j'ai travaillé les 5 premières éditions et où on a vraiment... passer en revue toutes ces formes qu'on appelle encore aujourd'hui à tort ou à raison nouvelles écritures. On a vu arriver l'émergence de la réalité virtuelle, donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler ensuite ce soir. Et moi j'ai eu envie de passer vraiment à la production et j'ai rejoint la société de production Les Produits Frais en 2015 où j'ai créé le département qui vraiment s'occupe de ces œuvres-là. Et c'est vrai que ça fait 4-5 ans que je produis essentiellement de la réalité virtuelle aussi parce que l'évolution du secteur veut ça et qu'on suit un petit peu aussi les financements et les diffusions et donc les modes en termes de forme. Mais je pense que c'est bien d'avoir cette conférence aussi pour rappeler que la réalité virtuelle et notamment ceux qui la font en France et ailleurs ne sont pas sortis d'un chapeau en 2014, mais que ça vient d'une histoire assez longue finalement et assez riche de toutes ces écritures interactives et participatives pour être très schématique. Alors, Alexandre Michelin, vous, au départ, vous êtes un homme de télé. Oui. Et comment vous êtes tombé comme ça dans le numérique ? Alors moi, d'abord, c'était au Centre Pompidou. Je suis tombé un jour devant une œuvre d'un artiste coréen qui s'appelle Nam June-paek, qui a utilisé la télévision, qui pour moi était un objet de travail, comme un objet de création. Et ça m'a vraiment impressionné parce qu'en fait, il a retourné la logique dans l'autre sens, puisqu'à l'époque, il utilisait des magnétoscopes pour mettre des images à l'intérieur des télés et en faire ce qu'il voulait. Et ça m'a touché parce que moi, j'ai toujours aimé la musique électronique, Kraftwerk, enfin, toute cette mouvance qui commence à l'IRCAM, en fait, hein, des artistes qui utilisent la technologie pour créer.
Et je trouve que l'affiliation est extraordinairement forte et c'est très important d'avoir en tête cette créativité parce que c'est une manière de considérer que la création, c'est pas simplement des outils, c'est d'utiliser des outils avec une volonté. Donc tous les créateurs, notamment français, de l'IRCAM en musique, tous les artistes qui ont voulu utiliser l'électricité, l'électronique, enfin, ont porté tout ça. Et aujourd'hui, on en est les héritiers sans forcément le savoir. Parce que la technologie a évolué. Mais on retrouve des auteurs, on retrouve des groupes de gens qui veulent dire quelque chose et qui utilisent la technologie. Et ce qui est formidable dans l'époque que nous vivons, c'est que ces technologies ont tellement évolué qu'elles ont irrigué en fait, l'ensemble de la création. Et aujourd'hui, de mon point de vue, l'immersion, toutes ces écritures sont déjà partout. Simplement, on n'en a pas conscience. Alors, il n'est pas inutile de revenir un petit peu en arrière hein, et de revenir au tournant des années 2010, hein, au moment où apparaît le terme de nouvelle narration, de nouvelles écritures, au moment où les télévisions hein, qui produisent des programmes linéaires pour une diffusion hertzienne se mettent à s'intéresser hein, à des créations numériques. Alors, peut-être pour donner quelques repères, le terme nouvelle narration a assez rapidement regroupé des créations extrêmement hétérogènes, hein, puisque ça allait depuis des documentaires interactifs, des fictions interactives jusqu'à des jeux vidéo, voire même ce qu'on a appelé des alternate reality games, autrement dit des jeux en situation réelle avec l'utilisation de smartphones, des fictions collaboratives. Alors, si on devait essayer de trouver un point commun, probablement ce serait le code hein, et le fait que toutes ces histoires finalement elles procèdent de la volonté de raconter des histoires avec du code. Si on parle de code, ça veut dire qu'on parle d'un échange en fait, d'un échange entre un ou plusieurs utilisateurs et puis une machine hein, et c'est dans ce dialogue que l'on entend construire une narration. Alors, ce surgissement en fait de ce type d'œuvre apparaît à un moment, on peut dire un peu particulier, au point de rencontre, on pourrait dire entre deux logiques. D'un côté, il y a une longue histoire, une longue ambition de la part d'artistes en des champs différents, une volonté d'associer les spectateurs ou les visiteurs ou les lecteurs à leur œuvre. Hein, on peut dire que l'art contemporain commence à partir du moment où vous essayez d'intégrer les visiteurs à l'œuvre. Je veux dire, l'urinoir de Marcel Duchamp n'a pas de sens sans les réactions outrées du public. On peut parler aussi de tentatives dans les années 1970 de créer des films interactifs. Alors à l'époque, l'interactivité se faisait avec des boîtiers et des bobines que l'on interchangeait. Il y a eu quelques tentatives dans ce sens. Mais aussi, on ne peut pas ne pas mentionner le récit interactif par excellence, qui est le jeu vidéo, hein, et qui naît à partir des années 50, en fait, hein, au MIT, et puis se développe sous différentes formes, et tout au long des années 80, crée toute une série de récits qui associent l'utilisateur, le place au cœur, hein, des récits d'aventure, des récits de texte, que l'on a ensuite retrouvés, justement, dans les narrations des années 2000. Et une deuxième tendance qu'il est utile de rappeler, qui est un auteur qui s'appelle Richard Jenkins a appelé les cultures participatives. Hein, c'est un moment, et peut-être que vous pourrez nous en parler un petit peu, Alexandre Michelin, les télés se rendent compte que leurs spectateurs ont un désir d'interagir avec les œuvres. Ils réagissent, ils créent des forums de discussion. Hein, il y a des forums historiques autour de Survivor, c'est-à-dire l'équivalent ou disons l'ancêtre américain de Koh-Lanta. En fait, hein, donc des forums d'utilisateurs, des forums autour de séries, hein, il s'agissait de discuter de différents personnages, etc. etc. On peut raconter aussi un épisode assez incroyable, c'est le moment où Betty Draper, un des personnages la série Mad Men, a commencé à tweeter, hein, donnant lieu ensuite à le surgissement de tweets de Don Draper, son mari, et puis des différents personnages de la série, sans que, évidemment, les créateurs n'aient rien à voir avec la question. Hein, autrement dit, les spectateurs voulaient eux-mêmes être associés à la narration et la poursuivre par d'autres moyens.
Voilà, alors du coup, les télévisions sont confrontées à cela, au fait que finalement l'activité culturelle de leurs téléspectateurs se poursuit bien au-delà de l'écran et se pose la question de comment les intégrer finalement, hein, comment faire quelque chose à partir de cette narration et pourquoi pas créer des œuvres dans lesquelles les spectateurs ont un rôle. Alors voilà en gros le contexte de l'apparition, disons au tournant des années 2010, de ces nouvelles créations. Peut-être que vous avez des choses à ajouter à ce sujet-là. Je ne sais pas si je... Enfin, je trouve que la création artistique, elle a souvent cette logique-là, quelles qu'aient été les époques. Le fait d'être quand même ancré dans une réalité. Je pense par exemple aux scènes qui étaient peintes dans les églises, qui étaient finalement un livre ouvert mis à disposition des personnes qui les fréquentaient. Donc je ne sais pas si c'est si différent et si le lien de cause à effet se trouve là. Moi, j'ai plutôt le sentiment que finalement, comme dans n'importe quelle pratique artistique, l'innovation, elle vient de personnes qui ont envie de créer, de personnes qui ont envie de raconter des histoires et qui se saisissent des médiums les plus contemporains qu'ils ont à leur disposition, des gens qui sont curieux, qui ont ce souhait d'innover, mais comme les impressionnistes avaient le souhait d'innover et ce sont là aussi il y a eu des découvertes, on va dire scientifiques ou technologiques, qui étaient de mettre des pigments dans un tube pour pouvoir le conserver et partir avec dans la campagne pour pouvoir peindre. C'est pas si différent. Je reviens dessus parce qu'en fait moi un de mes combats c'est justement de ne pas faire de la création numérique une forme artistique différente et en tout cas dans un sens où il y aurait une hiérarchie. Pour moi, c'est une expression artistique qui a vraiment autant de valeur que qu'une pièce de théâtre, que un tableau de maître. Et je trouve important de lui donner ses lettres de noblesse aussi, en montrant que finalement, elle participe d'un processus créatif qui est tout à fait comparable à celui de toutes les disciplines artistiques et culturelles. Alexandre, est-ce que... Moi, je partage... Je dirais les deux points de vue. Je pense qu'effectivement, ça s'inscrit dans une création et qu'à ce titre, ça fait partie de toutes les tentatives humaines de transformation de notre environnement ou de choix de représentation. Alors, effectivement, les artistes créent à partir de quelque chose. D'ailleurs, quand on crée, on utilise souvent les références des outils qu'on a utilisés précédemment dans l'Internet. Les gens passaient des années à parler de page vue, alors qu'il n'y avait pas de page. Mais ils avaient besoin de se raccrocher à ce qui était avant l'imprimerie pour expliquer les médias qu'ils sont en train de faire. Et c'est souvent pour ça qu'il y a ce besoin à la fois de s'inscrire et de dire je romps, mais en fait, j'utilise quand même des références anciennes. Là où je suis de l'autre côté, c'est-à-dire que je dis oui, il y a une rupture, c'est à cause des outils, parce que l'électricité en particulier... C'est pas simplement Monsieur Tesla là, et tous les gens qui créent des ampoules et qui créent des fils. C'est la capacité de l'électricité et de l'électronique de garder de la mémoire et de permettre de mettre en place des programmes, donc bien du code, qui troublent ou qui recréent cette capacité de création. Et c'est pour ça que je parlais de Nam June Paik, parce que j'ai été choqué à l'époque, parce que j'avais pas... mesurer à quel point on pouvait retourner la télé contre elle-même. Parce que moi, je travaillais dans la télé. Et tout d'un coup, j'ai vu un artiste qui a dit « Non, mais bon, c'est bien gentil ton truc, mais moi, j'utilise l'écran parce qu'il m'intéresse. » Comme si c'était une toile, finalement. Je considère que j'ai envie de faire des choses dessus qui n'ont rien à voir avec le partage à 200 millions de gens d'une seule image. Je partage mon image à l'intérieur de ton écran et je fais une œuvre et je la signe. Et c'est pour ça qu'effectivement, Nam June Paik, c'est quelqu'un qui, je crois, marque quelque chose de très fort. D'ailleurs, à l'époque, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi ? C'est un objet. Et quand on le voit aujourd'hui à Pompidou, effectivement, c'est marqué, c'est daté. Hein, c'est exactement ça. Il a fait avec ce qu'il avait en nous posant une question avec des outils qui étaient à sa disposition. Ce que je trouve très puissant avec ce qu'on vit aujourd'hui, c'est l'irruption du code informatique. L'irruption dans ces dynamiques de création, d'outils d'une puissance assez impressionnante. Quand on comprend en termes quasiment neurologiques ce que
un casque de réalité virtuelle fait à notre cerveau, c'est-à-dire à parler pratiquement, pas simplement au néocortex, mais à l'intérieur, à parler à notre partie reptilienne, hein, et au point qu'on a la nausée quand on regarde quelque chose qui ne correspond pas à ce que notre oreille entend, on est dans des dimensions qui sont assez troublantes. Hein, et qui sont troublantes et même, j'ai l'impression, bouleversantes. Et c'est pour ça que, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a des ruptures. C'est-à-dire que oui, il y a une continuité dans la création, oui, on est en face de gens qui sont en train de nous interroger, comme l'humanité l'a fait depuis le début, depuis les grottes de Lascaux, quoi. Et puis de l'autre, ce qu'on vit aujourd'hui, effectivement, c'est terriblement dépendant des outils. Je ne peux pas consommer un jeu vidéo de 1980 parce qu'il n'y a plus la console, sauf à la Bibliothèque nationale de France qui l'a gardée. Hein, merci. Mais sinon, je ne peux pas y avoir accès. Et ça, c'est terrifiant. Et même l'Oculus Quest 2, là, le nouveau, je ne suis pas du tout sûr, je n'ai pas été voir qu'avec le 1, je peux consommer ce qu'il y avait avec le 2. Et donc là, ça, c'est pour ça que je pense qu'on vit quelque chose d'un peu extraordinaire, un peu comme le cinéma muet, le cinéma parlant. On vit des choses très extraordinaires. Et du coup, il y a une capacité créatrice absolument incroyable. Et je crois que c'est une libération aussi extraordinaire. C'est ça que je trouve le plus magnifique de cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, on est capable d'utiliser ces technologies pour raconter toutes sortes d'histoires. Et je prendrai un exemple qui m'a vraiment frappé, j'ai été voir cette expo là, à Pompéi, au Grand Palais, entre les deux confinements. Et à l'intérieur d'une exposition d'archéologie, on est capable de faire voyager qu'un casque en VR dans une maison romaine d'il y a 2000 ans, qui a été recréée par des architectes, recréée par des archéologues, et d'avoir à un moment donné la sensation qu'on est quand même dans cette maison. C'est ténu parce qu'on sait bien qu'on est manipulé par le casque et tout ça, mais il y a quelque chose qui se passe d'assez extraordinaire. Donc c'est quand même des outils extraordinaires, quoi. Et je pense qu'on va vers des nouvelles créations qui vont être encore plus bouleversantes. Et il y aura sans doute un jour un département, je ne sais pas si c'est à la BNF ou au Louvre, qui montrera ses œuvres avec un casque Oculus de 2020, hein, parce qu'on ne peut pas le faire autrement, quoi. Et au-delà des outils et du code, ce qui est intéressant de rappeler aussi, c'est que le changement de paradigme, à mon sens, il se situe dans la place que les artistes veulent donner aussi au public. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a et Jenkins a été le premier un peu à le théoriser. Il y a une vraie volonté qui correspond au milieu des années 2000 avec l'arrivée de ce qu'on appelait le web 2.0 et de tous les réseaux sociaux qu'on utilise aujourd'hui quotidiennement. Mais il y a une vraie volonté de se dire que les tuyaux ne vont plus que dans un seul sens, mais dans les deux sens, c'est-à-dire que les 50 dernières années, le cinéma montrait un écran, on ne pouvait pas vraiment réagir, sauf en cas d'expérimentation, Xavier vous l'avait rappelé, mais très très niche. La télévision, finalement, à moins d'écrire un courrier au service de la chaîne, c'était pareil quand même dans un seul sens. Et là, l'idée sous-tendue par les blogs et puis les réseaux sociaux était celle de la participation que les artistes, qui sont eux bien ancrés dans leur époque, ont voulu ensuite réintégrer pour créer toutes les œuvres finalement dont on parle aujourd'hui. Alors du coup, si on s'attarde un instant sur cette première phase de foisonnement d'œuvres, est-ce qu'il y en a quelques-unes que vous retenez, enfin, soit des formats, soit des œuvres qui vous ont semblé marquantes dans cette émergence comme ça le département de nouvelles écritures. Le terme nouvelles écritures a donné lieu à la création d'un département à France Télévisions en 2012 et ensuite à peu près 5-6 ans d'expérimentation extrêmement foisonnante. Qu'est-ce que vous en retenez? Moi, je peux retenir trois œuvres qui sont d'ailleurs par ailleurs produites par des membres de PXN. Donc, je peux comme ça en profiter pour présenter en deux mots cette association que je représente aussi ce soir. Donc, PXN, c'est l'association des producteurs d'expériences numériques. Elle existe depuis 2016, donc en plein dans cette période. Elle regroupe aujourd'hui 70 membres venant finalement d'horizons extrêmement divers, de la médiation culturelle, de la muséographie, du web social, mais aussi finalement de l'audiovisuel, on va dire traditionnel, entre guillemets. Et les trois œuvres que je retiens de cette période, la première, c'est Why or Die, la fiction interactive de Simon Buisson.
je pense que vous recevrez plus tard dans le cycle, produite par Ciné TV et par Résistance Film. La seconde, qui est quasiment concomitante en termes de temporalité, c'est Not So Blindness, produite par Arnaud Collinard et diffusée sur Arte. Une des premières œuvres documentaires interactives en réalité virtuelle qui nous fait comprendre que la réalité virtuelle ne va pas être qu'une possibilité de divertissement, mais peut profondément nous raconter des choses sur le monde qui nous entoure. Et la troisième, c'est Été, un feuilleton dessiné Instagram, créé par Camille Duvelroy, produit par Bigger Than Fiction pour Arte, qui, là aussi, a permis d'investir un nouveau champ, qui était ce réseau social Instagram en 2017, qui était tout neuf, qui n'était pas le Instagram qu'on connaît aujourd'hui, et qui a montré une création originale, interactive et participative très foisonnante. Alors moi, je vais remonter un petit peu plus loin dans le temps, parce que mes premiers contacts peut-être avec ces formes de narration, c'est plutôt le webdoc, et donc c'est encore plus ancien. Et c'est les premiers, les Gazatéroth, etc., produits par Upian, PXN aussi. Bien sûr. Voilà, bien sûr. Une bonne maison, décidément. Sur la VR, effectivement, Notes on Blindness, ça a été un moment, on peut dire, iPhilippe aussi. Moi, je pense que c'est le premier film de fiction VR que j'ai vu. C'est un des premiers au monde, par ailleurs, voilà. Court-métrage VR. Et vraiment, on était encore, l'image n'était pas encore d'une définition très, très agréable. Donc, quand j'ai enlevé le casque, j'avais un peu un point là. Et en même temps, j'étais complètement waouh. Enfin, vraiment, ça a été assez extraordinaire comme sensation, comme de me dire vraiment, on est dans quelque chose de complètement nouveau en termes de sensations, justement, de ce qu'on peut expérimenter. J'ai mis d'ailleurs un certain temps dans la narration à comprendre que j'étais le personnage. Et quand je l'ai compris, mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse, tellement l'émotion était forte. Donc, c'est ce que disait Alexandre tout à l'heure. Une des particularités de la VR, c'est effectivement d'aller appuyer dans des endroits de notre cerveau qu'on ne sollicite pas forcément face à d'autres formes de création. Donc ça a vraiment été un moment fort. Et puis peut-être The Enemy, qui est une proposition VR collective, où là, on est plutôt dans une nouvelle forme de journalisme. Donc, à la fois, c'est oui, une forme de documentaire, une forme de journalisme, en tout cas une façon de se saisir de l'outil, enfin, de la technologie VR, pour cette fois-ci porter un sujet, susciter de l'engagement, et c'est très à propos, évidemment, compte tenu de ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire cette capacité à vous embarquer qu'à ce médium. Donc ça aussi, ça a été des moments et des découvertes importantes. Je partage beaucoup des choix qui ont été exprimés. Je me souviens très très bien de Wired Eye, où j'ai eu vraiment une soutenue par l'Institut français. Une grosse claque, vraiment, comme ça, je trouvais que c'était vraiment magnifique. Notes on Blindness, évidemment. Enfin, je pense qu'on a tous eu, et c'est tant mieux, d'ailleurs, ça prouve qu'il y a une unité dans ce qu'on a recherché, des vrais chocs émotionnels. Il y a une jeune française réalisatrice qui s'appelle Céline Tricard, que je trouve très intéressante, parce qu'elle a un rapport avec le réel qui est très manipulé, je dirais, grâce à la VR. J'ai été vraiment impressionné par le travail qu'elle avait fait sur, je crois que c'était Les Femmes Yézidis. Je ne savais pas si... Moi, j'ai vu énormément de documentaires, enfin, un nombre extraordinaire de documentaires pendant ma vie professionnelle. J'ai été notamment patron de France 5. Et c'était une des premières fois où j'avais l'impression de comprendre ce que vivaient les gens que je suivais, et n'étant pas à l'extérieur, c'est-à-dire... Qu'est-ce que c'est qu'être une femme soldat? Qu'est-ce que c'est qu'être une femme yézidi dans la guerre contre Daesh? Je l'ai ressenti grâce au travail de Céline. Je pense que c'est une maîtrise de son outil et de son écriture qui permet de faire ça. J'ai suivi le travail qu'elle a fait à cause de ça, notamment sur une autre œuvre qu'elle a sortie après qui s'appelle The Key, où on suit là aussi, à partir de la réalité d'une clé, parce que les migrants syriens abandonnent leur maison et gardent la clé.
de leur maison en se disant un jour je vais retourner et puis je vais pouvoir ouvrir la porte de ma maison. Évidemment, on sait que les maisons sont détruites, on sait qu'ils ne retourneront pas ou jamais sur le passé, mais imaginer un voyage et un dispositif où on se retrouve à un moment donné dans un univers où il y a des clés et où on a la clé en main, une clé en main. Et j'ai trouvé qu'elle a réussi à faire quelque chose qui est à la fois de la création, presque du documentaire, je ne sais pas, immersif, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, et qu'elle a un talent particulier. Je trouve qu'on peut affirmer, avec elle et d'autres, qu'il y a vraiment des auteurs qui sont en train d'exister. Et c'est vraiment plaisant, un peu comme on lit un livre, et puis on s'accroche à un auteur, de suivre les différentes étapes. Et ça, je trouve que c'est le début de la maturité. C'est au-delà des expériences, c'est des styles. Et là, on est vraiment chez elle, dans une écriture. Et puis, il y a un autre créateur, mais qui n'a rien à voir, qui vient du cinéma, qui, je trouve, n'utilise que très peu, finalement, la technologie, à ma connaissance, mais qui a compris ce qui se passait. Je me souviens du choc que j'avais eu en voyant le film de Spike Jonze, Being John Malkovich. Parce que j'ai ri, quoi. Je me suis dit, mais... c'est marrant ce film, parce qu'en fait il jouait, vous souvenez, c'était l'homme qui arrivait dans un immeuble, il y avait plusieurs étages et on vivait, et j'ai trouvé que Spike Jonze, alors qu'il n'avait pas du tout tous ses outils, il n'était pas encombré de, je ne le connais pas du tout, a compris l'esprit de ce qui était en train de se passer, et voilà, je trouve qu'il y a des œuvres comme ça qui sont, sans être dans cette famille de l'écriture immersive, sont écrites par des gens qui sont ancrés dans l'époque ou qui influencent l'époque et qui ont tout compris. Donc je pense que le moment dans lequel on est un moment où on va voir sortir comme ça de plus en plus d'auteurs et de créateurs qui ont une maîtrise complète. Et je pense notamment aux nouvelles générations qui ont été complètement socialisées avec ces outils. Qui donc ne les parlent pas comme on parle une langue étrangère qu'on a appris en deuxième ou en troisième. Ils parlent à la première personne de l'intérieur avec tous ces outils. Et je crois qu'on est à ce moment-là. Donc vraiment, ce socle d'œuvres là, qu'on a référencé. Et puis après, je pense qu'il faut aussi avoir une écoute. C'est assez troublant, par exemple, de regarder ce que font les Japonais ou des gens qui ont d'autres cultures. Parce que là, on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes perceptions non plus. Et je pense qu'il y a des champs vraiment à explorer dans des pays auxquels on ne pense pas naturellement. C'est un travail que j'avais fait notamment avec une école de jeux vidéo, des cours de ludique, de création ludique à Metz. Un prof qui s'appelle Sébastien Janvaux, qui travaille sur les écritures narratives. Et ses étudiants ont trouvé des programmes narratifs ludiques en Inde, à Madagascar, enfin dans des endroits auxquels on ne pense pas naturellement, à part les gens de l'Institut français qui, eux, voyagent et savent, avec des créations vraiment troublantes, parce qu'elles ont d'autres références culturelles. Et puis, elles utilisent la technologie de manière assez magique, en fait. Moi, j'ai souvent un sentiment en me disant « c'est magique ce qu'on vit ». Voilà. Alors justement, pour disons, rassembler toutes ces créations sous un terme, est-ce que la notion de nouvelles écritures vous semble appropriée ? Peut-être Agnès ? Moi, je l'utilise relativement peu parce que je préfère le terme un peu plus large de création numérique où il y a peut-être toujours une forme de narration, mais peut-être pas. Enfin, il s'agit parfois d'expériences, de même, je dirais, d'émotions esthétiques, sans qu'il y ait forcément cette notion d'écriture, même si on écrit quand même une expérience. Donc voilà, j'ai pas d'allergie particulière au terme nouvelles écritures. Il me renvoie à des années passées, voilà, comme quelque chose de plutôt positif, parce que ça a été un moment et une initiative bienvenue, notamment des chaînes de télévision. Mais c'est pas un mot que j'emploie. J'englobe plus largement sous le terme de création numérique toutes ces nouvelles formes d'expression artistique et culturelle. J'ai l'impression que c'est un peu, c'est à la fois la force et la faiblesse en fait de ces œuvres-là. La force, c'est qu'en fait, les noms
évolue en permanence, parce que maintenant on parle aussi de création immersive pour tout ce qui est réalité virtuelle, mixte, augmentée. On parlait de nouveaux médias il y a encore quelques années aussi, de transmédia qui maintenant est devenu un gros mot chez les diffuseurs. Le web documentaire aussi n'est plus du tout employé. Mais donc en fait, ces œuvres, elles sont tellement riches et diverses qu'il devient impossible quasiment de mettre un nom dessus qui les recouvrerait toutes. Et en même temps, c'est la faiblesse parce que c'est aussi ce qu'on a pu nous reprocher à un moment de manque d'identification auprès du public, auprès d'un grand public qui avait du mal à voir en quoi un feuilleton sur Instagram pouvait être comparable à un jeu vidéo sur la typographie ou à une œuvre web documentaire. Je pense que la réalité virtuelle a réussi à finalement, on va dire, dépasser ce gap. La réalité augmentée aussi d'ailleurs avec des grands hits comme Pokémon Go. La réalité virtuelle, aujourd'hui, si je demande à quelqu'un sur un comptoir de bar, quand ceux-ci rouvriront, ou même à mes parents, la réalité virtuelle, ils voient ce que c'est parce qu'ils ont vu suffisamment, notamment grâce à la télévision ou au cinéma, de gens mettre des casques sur la tête et même s'ils n'en ont jamais mis eux-mêmes, la particularité de l'appareil suffit, disons, même à identifier la forme. Ce que n'avait pas forcément c'est toutes ces nouvelles écritures un peu hybrides, ARG, transmédia, fiction interactive, qui étaient un peu confus aussi peut-être pour le grand public. Moi j'ajouterais que ce qu'on vit aussi, c'est une dimension qu'on a qui est encore plus forte, peut-être même première, primitive, c'est celle du son. Et ce qu'on vit aujourd'hui avec pas simplement l'explosion des podcasts, mais la capacité que nous avons tous à écouter, à passer des heures, à écouter des histoires, c'est quelque chose qui est très vieux, en fait. C'est les contes, c'est notre enfance, enfin. Mais pour autant, on se rend compte des dimensions sonores qui sont vraiment des écritures aussi, hein, immersives. Je me souviens à Pixie, au Sunnyside, d'avoir fait intervenir une conservatrice américaine qui avait rendu sonore une exposition de Versailles en faisant lire à des comédiens les textes des courtisans de la cour de Louis XIV qui racontaient les visites des ambassadeurs qui venaient montrer leurs lettres de noblesse à Louis XIV. Et donc, elle avait fait réenregistrer ça dans un château anglais où il y avait du parquet du XVIIe siècle et où les comédiens lisaient avec l'ironie méchante des gens de la cour. À New York, les gens, quand ils visitaient l'expo Versailles, avaient l'impression d'être transportés en France. Et c'est vraiment ce qui était pendant longtemps, on va dire, les pièces qu'on écoutait sur France Culture, hein, le théâtre de France Culture, c'est devenu, et c'est vraiment quelque chose de considérable, d'extraordinaire aujourd'hui. Et je crois que ça, c'est en train de monter. Donc l'aspect visuel, il est formidable. Nous, on est pour beaucoup des gens du visuel, mais l'audio transporte et a, pour le coup, on a tous même encore plus de capacité à imaginer. On met encore plus dans l'audio de personnel, de notre propre sensibilité, dans une histoire qu'on écoute. Et je crois que ça, c'est aussi une énorme révolution, un peu plus discrète, hein, que celle du casque, parce que le casque est spectaculaire, et qu'on vit tous, qui est en train de transformer la narration des histoires, l'information aussi, qui est en train d'être transformé par les podcasts. Et c'est vraiment une dimension qui va se conjuguer avec l'autre. Donc c'est en fait, c'est pour ça que la notion d'écriture, elle est encore un peu, abstraite. C'est sensoriel, en fait, aujourd'hui. On a basculé de l'expérience à l'expérience sensorielle. Et dans toutes les dimensions qu'on a de nos sens, il y a des expositions qui sont en train de se préparer avec des scientifiques. Vous allez passer d'univers en univers, notamment dans le domaine des sciences naturelles. Et puis vous allez vous retrouver dans la savane africaine avec des espaces où on aura mis des sons qui correspondent aux sons qui auront été enregistrés dans l'espace, dans une nuit, dans une savane, avec donc les bruits de la nature. Des lumières qui correspondent à la lumière de la nuit quand il n'y a pas d'électricité. Et les gens vont être transportés par petits groupes de 10 dans une expérience sensorielle
qui est vous vous retrouvez dans la savane. Et puis, ils préparent tous aussi l'odorat, parce qu'il y a des odeurs particulières. Et donc, on se rend compte qu'en fait, c'est ça qui est en train de se passer. Et là, on est encore... Alors là, on est du côté de cet artiste thaïlandais qui avait probablement tout compris avant tout le monde. C'est-à-dire qu'on crée... C'est de la mise en scène sensorielle. Et on utilise plusieurs outils. Et du coup, l'écriture, ça paraît un peu faible pour décrire ce qui se passe. C'est un ensemble d'outils pour me mettre dans un état de... Et puis, c'est vrai que ça raconte une histoire. Alors, on voit, lorsque je vous demande de me rappeler quelques œuvres marquantes, on arrive très rapidement vers l'immersion, vers la réalité virtuelle, etc. Tu disais, Oriane, que c'est comme si les narrations immersives avaient unifié finalement un champ. Ce que tu dis, Alexandre, c'est que voilà, il y a des on potentialise d'une certaine manière quelque chose qui était contenu, qui était finalement la possibilité de vivre des expériences complètement immersives. Je me souviens d'avoir parlé assez longuement avec Arnaud Dressen, qui est un des acteurs historiques du web documentaire, et qui, pour lui, lorsqu'il a mis un casque, il s'est dit « Mais voilà, tout ce que j'avais toujours voulu faire, eh ben, voilà, c'était possible grâce à ce nouveau device. » Alors, du coup, aussi, on a l'impression qu'avec donc cette rupture, comme vous savez... la réalité virtuelle est aussi une très vieille histoire, puisqu'elle commence même avec l'origine du cinéma. Je fais une toute petite digression, puisque avant même que le cinéma ait installé comme industrie, il y a déjà des tentatives de réalité virtuelle, puisque lors d'une exposition universelle, il y avait une expérience qui consistait à rentrer dans une pièce et de s'élever en montgolfière, puisqu'on était projeté sur les murs de cette pièce, en fait, l'élévation de la montgolfière et donc une vue panoramique sur Paris. Donc, en fait, en gros, lors de cette exposition universelle qui a dû avoir lieu à peu près en 1900, en fait, on a créé une expérience qui est similaire à celle du cube, que peut-être certains ont vu au Sunny Side of the Dock ou ailleurs, qui a été, en gros, c'est une réinvention de quelque chose d'assez ancien. Eisenstein disait aussi que la promesse de cinéma, en fait, c'est la stéréoscopie. Donc quand arrive par contre en fait cette histoire de la réalité virtuelle, elle s'est heurtée à plein d'obstacles, à des obstacles technologiques, c'est-à-dire que jamais on avait une technologie qui permettait de faire vivre à l'utilisateur une expérience satisfaisante en fait. Et qu'est-ce qui se passe en 2014? C'est que il y a une innovation technologique qui est portée justement par Oculus et qui résout ce problème-là. Et donc, à partir de là, on se dit qu'effectivement, c'est possible. Ce qu'on voit aussi, à partir de ce moment-là, c'est que de nombreux acteurs commencent à converger vers ce champ-là, qui était un petit peu confidentiel, qui concernait certains producteurs numériques, avec des créations extrêmement marquantes, des grands succès. Oriane, tu m'as rappelé lors de notre conversation que Way or Die, c'était quand même 500 000 visionnages uniques. Il y a eu d'autres succès comme ça sur des ordinateurs. Donc voilà, il y a eu des très beaux succès. Mais sans qu'il y ait, disons, une convergence comme ça, massive d'investissement, etc. Bon, qu'est-ce qui se passe à partir de 2014-2015, c'est une pluralité d'acteurs nouveaux, qui ne s'étaient pas intéressés du tout à ces narrations, commencent à investir ce champ-là. Et ils déversent des sommes considérables. Parce qu'il y avait Samsung qui lance un casque avec Oculus, HTC, également autre constructeur de téléphones qui crée le HTC Vive, etc. etc. Bon. Et on se trouve aujourd'hui, effectivement, avec de nombreux acteurs qui arrivent, et des rencontres assez inédites, puisqu'on a des acteurs traditionnels qui étaient, en Europe en tout cas, la télévision. Au Canada, un acteur historique qui est l'ONF, l'Office national du film, qui a toujours accompagné l'innovation narrative dans le domaine du documentaire, et puis a été partenaire du projet The Enemy, qui a été cité auparavant. Mais arrivent de nouveaux acteurs, donc des opérateurs de téléphone, Facebook, un réseau social, et également aussi d'autres structures qui s'intéressaient également aux nouvelles narrations, qui sont les musées. Et donc, du coup, on se retrouve vers un éclatement, une redéfinition complète des modèles de diffusion, d'où on peut voir des expériences comme celle-là, etc., etc. Alors, du coup, ce que j'ai envie de vous demander maintenant, c'est
OK, on a une grande effervescence avec de nombreuses expérimentations. Alors, ces expériences rencontrent-elles leur public, hein, et comment ? Peut-être Auriane, si tu okay. veux. OK. C'est bien d'avoir rappelé que finalement, la très courte histoire de la réalité virtuelle, elle ne commence pas en 2014, mais 2014, il vient marquer un peu ce qu'on entend de nous aujourd'hui de manière contemporaine par réalité virtuelle, avec à la fois l'appareil, le device, donc c'est-à-dire les casques qui permettent cette technologie de se déployer, et puis ce qu'on y met. Ce qui est sûr, c'est que le rachat avec les montants énormes d'Oculus par Facebook, ça a créé une mini-bulle. Il y a eu clairement une bulle où tout le monde s'est emballé et tout le monde voulait, à un moment donné, donc 2015, 2016, 2017, ça a duré 2-3 ans, tout le monde voulait son contenu en réalité virtuelle. Vraiment, on pouvait appeler n'importe qui les diffuseurs, enfin les chaînes de télé, mais aussi la SNCF, les compagnies aériennes, les grands musées, tous les festivals aussi. Plus ou moins, les grands festivals de cinéma, notamment, ont créé tous plus ou moins une section dédiée, plus ou moins pérenne à ces écritures-là, à ces œuvres-là. Voilà. 6 ans après, en 2020, 2021, qu'est-ce qui reste ? Ça s'est maintenu, mais il y a effectivement un effet bulle qui est retombé. Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que la réalité virtuelle aussi, elle a des applications énormes au-delà de nos œuvres, au-delà de l'impact culturel et divertissement sur des domaines aussi variés que la formation, la chirurgie, l'immobilier. Enfin, c'est une bulle qui n'est pas que propre aux industries culturelles. On est presque, nous, une niche dans la niche, finalement, surtout sur les œuvres, en tout cas, moi, les œuvres que je produis, qui sont comparables, en fait, à des films d'art et d'essai en cinéma. Donc, on n'est pas du tout... Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas du tout vocation, ni même l'envie de me comparer à Marvel ou à Disney, par exemple. Ça ne m'intéresse pas spécialement. Peut-être le compte en banque, oui. Mais en tout cas, sur la création et l'innovation, pas forcément. Et aujourd'hui, est-ce qu'elles rencontrent leur public ? Effectivement, on est resté encore... Donc, si on parle là vraiment des œuvres de création numérique qui sont déployées sur des casques de réalité virtuelle, on s'est heurté à une question très simple qui est que pour voir ces œuvres, il faut être équipé. Et que les foyers ne se sont pas équipés aussi rapidement que les prévisions optimistes de 2015-2016, de la bulle, finalement, le laissaient voir. Aujourd'hui, j'ai sans doute pas des derniers chiffres, mais le casque Samsung Gear, qui a été souvent le premier produit d'appel où on glissait un téléphone compatible dans le casque, c'était quand même plus de 5 millions d'exemplaires à travers le monde. Le casque de PlayStation VR, c'était, me semble-t-il, 100 000 ventes très rapidement à leur sortie. Aujourd'hui, Oculus, leur casque, leur produit d'appel, c'est vraiment le Quest et le Quest 2. J'ai pas les derniers chiffres, mais les chiffres sont plutôt bons. Et surtout, les chiffres du store qui y est associé sont aussi bons. C'est-à-dire que les gens ne se contentent pas d'acheter le casque et puis de le ranger dans un placard une fois qu'ils ont testé pendant une heure. Ils vont sur cette plateforme et ils achètent, exactement comme Google Play ou l'App Store, ils achètent des contenus qui sont en grande partie des jeux vidéo. On pourra y revenir. La question de la monétisation de nos œuvres, nous, c'est encore une véritable question. Et puis, il y a eu aussi l'émergence de ce qu'on appelle le LBE, donc le Location-Based Entertainment, c'est-à-dire des lieux, des musées, mais aussi, pour la partie plus jeux vidéo, des salles d'arcade, des cinémas qui ont créé des espaces consacrés à la VR, qui se sont, eux, équipés en partant du principe que le public n'avait pas forcément l'argent pour s'équiper, la place dans son salon pour l'installer, l'envie aussi pour pouvoir tout voir, il faut avoir plusieurs casques, il faut pouvoir changer de matériel tous les ans quasiment, etc. Ça, c'est une technologie qui évolue très vite. Et donc ces lieux se sont dit, on prend en charge, nous, l'achat matériel qui n'est pas anodin et surtout la médiation pour accompagner ces œuvres. Et on va mettre en place des systèmes de billetterie
pour un public qui vient acheter, tout comme il achèterait un billet pour une exposition ou une place de cinéma, il vient acheter son billet pour une œuvre ou pour un temps d'expérience donné. Ces deux modèles-là, la consommation à la maison et la consommation dans des lieux culturelles, elles n'ont pas forcément vocation à se combattre ou à se détruire, au contraire, à être complètement complémentaires et à offrir des expériences différentes et adaptées à chaque mode de visionnage d'expérience. L'année 2020 qui vient de s'écouler a mis évidemment un certain cran d'arrêt à la partie LBE, puisque tous les lieux à l'heure où on parle sont encore malheureusement fermés. Mais dans les expositions qui viennent, Pompéi, que Alexandre citait, qui s'est vraiment tenu sur une petite période, a permis à une expérience VR de très haut niveau, de très haute qualité, de toucher un très large public, puisque une expo sur Pompéi, une expo au Grand Palais, c'est tout de suite un certain nombre de spectateurs par jour. Mais 200 000 en tout. Voilà, merci. Et à côté de ça, le Quest qui est arrivé en 2019 et le Quest 2 qui est sorti en octobre 2020 ont, eux, pendant les phases de confinement mondial qu'on a vécu, n'ont pas du tout perdu de public, au contraire, puisqu'il y a eu vraiment beaucoup de ventes dans les chiffres d'affaires que veut bien nous donner les plateformes. Donc ils sont toujours aussi à prendre avec des pincettes, puisqu'il n'y a pas malheureusement de médiamétrie ou d'organisme indépendant qui peut calculer ce genre de choses. Ce qu'il faudrait peut-être mettre en place à terme aussi, d'ailleurs. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que... Enfin, ce qu'on peut constater, c'est qu'on est passé du moment, des frères Lumière. On est... Il faut bien avoir conscience que les gens se rassemblaient pour voir rentrer un train dans une gare. Sur les grands boulevards, on me donnait un peu d'argent, puis on allait voir rentrer un train dans une gare. C'était extraordinaire comme spectacle pour le début du XXe siècle. Les expériences d'exposition universelle, tout ça, c'est époustouflant de voir simplement une représentation en grande dimension de la réalité. On en est là un peu. On est dans ce waouh, quoi. L'effet, c'est incroyable. Et puis ensuite, il y a, on va dire, la logique de l'exploitation. On va dire ça, c'est plutôt les frères Gaumont, c'est pas les frères Lumière. C'est des gens qui essaient de trouver une logique d'exploitation avec une logique économique, avec une manière de rémunérer la création. Et puis, au milieu, on va dire, il y a Méliès, hein, qui, lui, vient du théâtre, commence par filmer, finalement, des scénettes de théâtre, et puis, à un moment donné, invente les effets spéciaux. Et on est dans cette continuité qui est bien identifiée dans l'histoire de la technologie. Hein, c'est la diffusion de l'innovation. Il y a des pionniers, il y a des inventeurs, et puis il y a un certain nombre de gens qui en font une industrie. Et donc, dans ce moment-là où nous vivons, il y a une accélération qui est très brutale, parce qu'il y a la technologie qui accélère ça, et puis il y a la géopolitique. On voit bien que ceux qui fabriquent le matériel, qui fabriquent de l'électronique, qui fabriquent du code, ont envie de remonter sur la création. Ceux qui font de la création n'ont pas nécessairement tous les outils. Donc il y a ces espèces de tectonique des plaques, là, avec des chocs incroyables, où on ne comprend pas tout d'un coup pourquoi pendant 2 ans tout le monde veut faire de la VR. Mais avec un peu de recul, c'est tout à fait normal. Effectivement, les acteurs que l'on voit émerger viennent de l'industrie. Ce ne sont pas du tout des enfants de cœur, hein, que ce soit Microsoft, Samsung, Facebook. Ce sont des gens qui ont parfaitement compris la puissance de ce qui est en train de se passer. Quand on a la tête dans un casque, avec une petite caméra, on peut identifier toutes les émotions qu'a l'individu. C'est un outil d'une puissance presque terrifiante quand on y réfléchit. Hein, contrôler des casques, permettre à des gens d'avoir des expériences émotionnelles aussi fortes que celles-là, c'est un enjeu de société considérable. La télévision à côté, c'est une blague. C'est pour donner Donc les gens qui sont dans ces stratégies industrielles-là ont parfaitement compris qu'il y a des marchés énormes. Le marché de la formation, le marché, par exemple, de la médecine, ce sont des marchés industriels incroyables. Et d'ailleurs, c'est là où aujourd'hui ils investissent. Hein. Je veux dire, une paire de lunettes HoloLens, ça coûte 3 600 euros.
Donc c'est pas un produit grand public, c'est fait pour des industries, c'est fait pour Airbus qui va optimiser un processus de production. Il n'empêche que tout ça, ça converge, ça veut dire que les usages sont là. Et là où il y a une explosion du public, c'est dans le jeu vidéo. C'est dans le jeu vidéo qui est la première industrie d'entertainment, c'est cette année, entre autres à cause du confinement, mais c'est dans le jeu vidéo qu'il y a le plus d'usages de ce à quoi c'est en train de ressembler. D'ailleurs, si Facebook investit et met toute son infrastructure électronique mondiale au diapason, c'est en visant le jeu vidéo. D'ailleurs, quand on veut acheter une paire de lunettes Oculus à la Fnac, hein, c'est dans le rayon jeu vidéo. Et puis heureusement, il y a des créateurs qui vont détourner tout ça. Il y a des salles qui vont détourner tout ça. Et puis, ce que moi je trouve vraiment extraordinaire, c'est que finalement le public reprend la main, n'a pas acheté tous les casques, tant mieux, ils n'étaient pas tous très bons. Les expériences n'étaient pas toutes géniales. Puis, effectivement, ils ont redéposé le casque là où. Et heureusement, je pense qu'on commence aussi à avoir un stade critique. Et puis les musées commencent à savoir ce qu'ils veulent. C'est un bouleversement considérable pour les institutions. Non, pas nécessairement le savoir-faire, pas nécessairement les budgets, pas nécessairement la compréhension de tout ce que ça veut dire de travailler avec ces outils. Il n'y a pas forcément les ingénieurs pour développer le code. Enfin, c'est un changement de nature très profond. C'est pas facile. Et donc c'est pour ça, par exemple, que c'est ça qui m'a donné envie de créer le KIF. C'est vraiment de se dire, il faut créer des endroits où ceux qui ont la maîtrise de la technologie, ceux qui ont la maîtrise de la création, ceux qui sont en train de créer, ont besoin de rencontrer soit des industriels, soit des financiers, et aussi des politiques, parce que ce n'est pas du tout neutre comme technologie. Ça peut être des outils de savoir extraordinaires, mais ça pourrait très bien être aussi des outils de contrôle terrifiant. Et donc, il faut absolument que ces débats-là aient lieu. Le débat de la responsabilité sur ce qu'on fait est très, très important. Et il faut des créateurs. Et puis, il faut aussi, peut-être, à un moment donné, il faudra peut-être des régulateurs. Et donc, tout ça, ça doit se mettre à exister. Et au fond, on peut être très, très, très optimiste. Parce qu'avec tous ces obstacles, il y a quand même des sociétés qui sont créées. Il y a quand même il y a 70 membres à PXN. Donc, c'est des gens qui ne travaillent pas toujours dans la création, mais qui font parfois de la prestation et du service pour gagner leur vie, et puis qui, par ailleurs, font de la création. Il y a quand même des associations professionnelles comme AFXR, qui est vraiment beaucoup plus industrielle et beaucoup plus recherche pure, qui travaillent depuis de nombreuses années. Et puis, on voit bien qu'il y a du public. Par milliers, par centaines de milliers. La prochaine étape, évidemment, ce que tout ce petit monde là attend, c'est un peu le moment iPhone, quoi. C'est-à-dire où il y aura une technologie qui va rendre ça plus simple, plus accessible, moins bizarre. Peut-être qu'effectivement, ça deviendra une écriture naturelle. Mais il faut profiter de l'espace qu'on a en ce moment pour accompagner la création et puis aussi poser des questions qui ne sont pas forcément agréables, mais qui sont très importantes, parce que ce sont des outils de formation fabuleux, par exemple, mais ça peut être aussi des outils de manipulation énormes. Mais l'analogie, si je peux compléter, l'analogie avec le début du cinéma, elle est très bonne, parce qu'en fait, les débuts des Frères Lumière, d'Alice Guy et juste après de Georges Méliès, c'est 1895-1900. Et en fait, après, la structuration finalement de cette industrie, la mise en place des studios et puis surtout ce qu'on connaît aujourd'hui des débuts de la distribution et de l'exploitation telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est plutôt les années 20 et 30. Et donc, en fait, il a quand même fallu plus de 20 ans pour que la technique, les moyens de raconter des histoires et ensuite les moyens de les diffuser au public évoluent. Et nous, on nous demande, en fait, avec la réalité virtuelle, de faire tout ça en 4 ou 5 ans, parce qu'évidemment, on vit dans un monde où tout va très vite et tout s'accélère. Mais on est déjà à peine en train de mettre en place
des pipelines pour produire ces expériences. On est passé de caméras faites de rigs de plusieurs caméras pour filmer en 360, faites par les réalisateurs eux-mêmes, avec vraiment fabriquées par les machinistes, un peu do it yourself. Aujourd'hui, il y a des rigs qui se font tout seuls. Y compris sur la partie animation. Aujourd'hui, on peut, avec la capture volumétrique, capter des acteurs ou des personnages en trois dimensions dans un environnement et le replacer ensuite dans un décor virtuel. Des choses qui sont maintenant réutilisées par des films ou des séries hollywoodiens pour des prévisualisations pour de la production virtuelle. Donc en fait, on est à peine en train d'inventer ça. On invente aussi la partie diffusion. Et c'est ça qui est fascinant, enfin, moi qui m'excite beaucoup en termes d'innovation, qui est que va donner les 10 prochaines années, en fait. C'est... Oui, alors je vous pose une question avant que vous... avant de vous donner la parole. J'aimerais que vous réagissiez au propos d'Alexandre concernant Facebook. C'est quelque chose qui est revenu dans notre discussion préliminaire. Quel rôle peut jouer en fait un organisme comme l'Institut français pour justement promouvoir des œuvres qui... Bon, on peut le dire, on ne l'a pas dit encore, mais on peut le dire, ont une spécificité. Hein, il y a une identité française autour de la création numérique qui est très forte et qui est reconnue, effectivement, puisqu'elle est célébrée dans les festivals internationaux, que ce soit Venise, Tribeca, Sundance, etc. etc. Parmi les produits d'appel, d'ailleurs, de la réalité virtuelle, il y avait notre blindness, hein, au départ, parce que c'était une des expériences qualitatives qui avait pu être créée et qui est donc une création, disons, franco-britannique, hein, entre Arte et les documentaristes britanniques. Bon. Et alors, du coup, quel rôle peut jouer, ou entend jouer l'Institut français dans ce domaine-là ? J'aimerais bien revenir, si vous le permettez, sur différentes choses qui ont été dites, notamment cette question des attentes par rapport à cette industrie naissante. Je trouve que la création numérique, elle subit une injustice de ce point de vue, parce qu'effectivement, on attend des résultats immédiatement sans avoir les investissements qui correspondent. C'est-à-dire que c'est une création en France qui est soutenue, on peut s'en réjouir. Hein, sans le CNC, sans le DICREAM, la plupart des productions ne verraient pas le jour. Et en même temps, c'est largement avec un ou deux zéros de moins que dans justement des industries lourdes. Donc il y a toujours cette contradiction de votre truc est un peu gadget, il n'éclot pas, quand est-ce qu'arrive votre modèle économique, mais en même temps, des investissements qui correspondent absolument pas à ce qu'on est prêt à investir dans des industries lourdes. Donc ça, je profite de cette tribune pour le redire. C'est, voilà, si on veut en faire une industrie culturelle et créative rentable, y compris à l'export, il faut aussi mettre les moyens nécessaires. Pour revenir sur la question des deux modes de diffusion qu'a rappelé Oriane, c'est vrai que On atteint une forme de maturité, même si très certainement les casques, les technos vont encore beaucoup évoluer, mais en tout cas qui permet d'imaginer que va clairement se développer les usages individuels avec l'achat de casques et des lieux de plus en plus sensibilisés au fait d'accueillir des spectacles immersifs, des productions immersives ou du cinéma immersif. Nous, on observe pour justement, parce que notre métier, c'est d'essayer de promouvoir à l'international ces nouvelles formes, que la bataille n'est pas gagnée. Sur la question des diffusions plateformes, se pose vraiment la question de comment on fait exister cette niche d'écriture exigeante, de production très quali, à l'intérieur d'une masse d'offres assez écrasée par le jeu vidéo, et sans aucune intention de le minimiser, parce qu'il y a des choses extraordinaires dans le secteur du jeu vidéo aussi. Mais voilà, il y a une vraie difficulté à exister, qui est d'autant plus complexe que se dessinent quand même des monopoles, américains notamment, on a cité Facebook pour répondre à votre question, on a Oculus, on est là face à un pipeline complet
maîtrisé par une des entreprises les plus puissantes du monde, une des entreprises les plus riches, et qui, forcément, du coup, impose ses règles du jeu. Donc ça, c'est un enjeu, c'est un enjeu politique, diplomatique, financier, économique, etc. Et sur la partie de l'exploitation LBE, des expériences in situ, il y a encore quand même un énorme effort à faire auprès des acteurs culturels, on va dire traditionnels, de les convaincre de l'intérêt, de la qualité de ces productions, ce qui en général est assez facile une fois qu'ils en ont vu une. Mais tant qu'ils n'ont pas vu, il y a quand même des vrais a priori et encore une fois une hiérarchie des genres qui est quelque chose de récurrent dans l'histoire de l'art, hein, la hiérarchie des genres, et qui est toujours existante aujourd'hui, avec parfois un mépris ou une peur, ou les deux, face à des formes émergentes de création. Donc nous, on s'emploie beaucoup, notamment, à montrer ces productions, à faire en sorte que le plus de personnes possibles les voient. Il se trouve que l'Institut français, il travaille avec un réseau d'acteurs culturels partout dans le monde. On a des instituts, des alliances, des services culturels dans les consulats et dans les ambassades. Et toutes les personnes qui travaillent dans ces structures sont en lien avec les professionnels de la culture partout dans le monde. Donc en lien avec les directrices de musées, avec les programmateurs de festivals, avec le directeur du théâtre X, etc. Et donc notre idée, c'est de profiter de ces liens privilégiés pour faire en sorte que de leur présenter également la création numérique. Vous nous faites confiance quand on vous parle d'un metteur en scène émergent, faites-nous confiance, on va vous présenter aussi des nouvelles formes voilà, qui sont celles notamment de l'immersion. Je pourrais revenir un petit peu plus en détail sur nos modalités d'action, mais je ne veux pas être trop longue. Juste une dernière chose par rapport à la rencontre avec les publics. L'immersion, elle est fascinante, elle est passionnante, elle est à la mode, parce qu'on a plusieurs exemples aussi de succès qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais de lieux immersifs comme l'Atelier des Lumières, par exemple, où on voit bien qu'il y a un goût du public pour ces expériences. Ne pas oublier encore, par exemple, Été, qui a été cité tout à l'heure. Donc là, on est sur du roman graphique sur Instagram. C'est pour la première saison, il y avait plus de 70 000 personnes qui ont lu et suivi le roman du début jusqu'à la fin. Donc il y a aussi et je ne parle pas des chiffres de visionnage de web documentaires qui, eux aussi, ont eu d'énormes succès. Donc voilà, il y a l'AVR, c'est passionnant. Il y a aussi d'autres formes de création qui clairement rencontrent leur public. Pardon. Concernant justement les efforts à faire pour promouvoir cette création, pour l'affirmer, la renforcer, peut-être, Oriane, tu es membre donc de PXN, quelles sont vos lignes d'action ? Bah, le nerf de la guerre, c'est de l'argent, hein, finalement. Je vais vraiment abonder dans ce que Agnès vient de dire. La hiérarchie des arts, elle se joue aussi dans les budgets qu'on veut bien lui accorder. Et l'exemple, un exemple tout trouvé, c'est au CNC, les œuvres que moi je produis, que nous on produit à PXN, elles sont bien souvent soutenues par le fonds Expérience Numérique. C'est un fonds qui a pour budget annuel 2,9 millions d'euros. Or, 2,9 millions d'euros, c'est quoi ? C'est même pas le budget moyen d'un long métrage en France. Et avec ça, la commission, Alexandre, corrige-moi si je me trompe, mais la commission aide en moyenne, on va dire, 80 projets par an avec ce budget-là au stade de l'écriture, du développement et de la production. Donc, j'ai pas fait le calcul, mais 2,9 millions divisé par 80, ça fait pas lourd. Et donc, en fait, on nous demande derrière ensuite des objectifs de chiffres, de diffusion. On a quand même la chance d'avoir des œuvres qui rayonnent à l'international et notamment dans les festivals. Céline Tricard avec The Key, elle a gagné le Lion d'Or à Venise. Elle a gagné également le prix à Tribeca. Not Some Lioness a gagné de nombreux prix, d'autres œuvres qu'on a eu la chance de produire également. On est visible partout, mais derrière, ça ne suit pas. Donc nous, à PXN, on se bat, on a une activité d'un peu de tribune et de lobby,
je dis, je mets des guillemets à lobby, parce qu'on n'a pas du tout le budget d'une entreprise de lobbying, mais on fait des activités de lobbying, notamment auprès du CNC, qu'on accompagne dans les réformes du fonds qui s'appelait encore il y a quelques années Nouveaux Médias, dans l'émergence du fonds CNC Talent, qui aide aujourd'hui maintenant la création sur YouTube, qui est séparé désormais des expériences numériques. Nous, on pousse notamment pour l'augmentation du budget du fonds, mais aussi l'ouverture à des aides automatiques, puisque le cinéma et l'audiovisuel ont des aides à la fois sélectives et automatiques au CNC, et nous, pas. On pousse aussi à avoir l'ouverture aux aides, avoir droit aux aides à l'export, à la distribution, au marketing, toutes ces aides qui sont également mises en place au CNC, à l'édition, à la VOD, etc., qui aident à l'export, en fait, à l'internationalisation de nos œuvres. La réalité virtuelle, par essence, c'est des œuvres qui sont conçues pour un public international, parce que le public français serait trop petit si on ne se consacrait qu'à lui. Et pourtant, on est privé de ces aides. Donc, c'est un des chantiers actuels du CNC. Et on accompagne aussi les diffuseurs qui, en France, ont continué, même après la bulle, à financer ces œuvres-là, et qui sont en fait d'ailleurs du service public, France Télévisions et Arte. Il nous faut en fait effectivement plus d'investissements pour pouvoir tout simplement se déployer à la mesure des ambitions qui ont été émises. Alexandre ? C'est une très belle transition. Je ne peux pas commenter, parce que d'abord je me suis engagé vis-à-vis du CNC à être complètement... à garder secret tous les débats de la commission, par définition, par rapport à tous ceux qui posent des œuvres. Et puis j'ai hérité d'une situation qui est ce qu'elle est. Et je pense qu'il faut... c'est pour ça aussi que j'ai créé le KIF. C'est-à-dire qu'il faut prendre le taureau par les cornes. C'est pour ça que je trouve que l'expérience, entre guillemets, Pompéi est très intéressante, parce qu'on voit un producteur audiovisuel traditionnel qui fait du documentaire, en l'occurrence une société qui fait des documentaires de prime time qui s'appelle Gédéon, se confronter à la naissance d'une exposition et faire basculer une institution qui est la Réunion des musées nationaux, qui crée une filiale qui s'appelle Grand Palais Immersif. Donc c'est possible. Quand on regarde comment est structuré Grand Palais Immersif, il y a la Réunion des musées nationaux, donc bien la puissance publique, et puis la volonté d'avoir une politique culturelle. Et puis il y a la Caisse des dépôts et consignations, donc des gens qui investissent sur le long terme. Et puis il y a un partenaire privé qui s'appelle Vinci Immobilier. Et là, on dit, tiens, que vient faire Vinci Immobilier dans cette histoire? Vinci Immobilier l'a dit quand cette filiale a été annoncée, c'est la semaine dernière. Vinci a envie de créer des lieux culturels en France et à l'international. Peut-être que Vinci... on comprend, Vinci veut construire des murs. Hein, c'est de l'immobilier. Mais ils ont compris que les murs avec de la culture et les murs avec de la valeur créative, c'est mieux. Donc je dirais qu'il y a, dans la logique de recherche d'argent, il y a de l'espoir. Parce que ce que le Grand Palais a fait, ça donne un signe, et j'en ai d'autres, parce que je travaille sur ces questions avec la Caisse des dépôts notamment, avec tous ceux qui travaillent sur les investissements d'avenir. Là où il y a une vraie difficulté, c'est comment faire la jointure entre l'aspiration, je dirais, recherche-développement, qui n'a pas de vocation à gagner de l'argent, puisque si on demandait à tous les laboratoires de médicaments de trouver de l'argent, finalement, on ne ferait jamais de médicaments, puisqu'on passe des années à investir pour espérer trouver quelque chose un jour. Donc ça, cette logique-là, elle est complexe, et effectivement, ça devrait être à la fois une logique publique et une logique privée, pour accepter l'idée que il y a des laboratoires et qui font de la recherche-développement, qui ne sont pas nécessairement dans une optique de rentabilité à court et à moyen terme. Pour autant, face aux acteurs avec lesquels on se confronte, il faut avoir en tête cette mécanique économique et surtout être capable d'adapter la création à la réalité économique. C'est là où je trouve que ce qui s'est passé avec Culture Espace est vraiment très, très étonnant. Il se trouve qu'au début de ma carrière professionnelle, j'ai travaillé dans une société qui s'appelait l'Alliance des Eaux, qui était propriétaire d'une chaîne dans laquelle je travaillais, qui s'appelait Paris Première. Et il y avait une autre filiale de l'Alliance des Eaux qui s'occupait de culture, et qui s'appelait Culture Espace, et qui récupérait des lieux que les mairies ne pouvaient pas gérer, et puis qui s'est posé la question d'optimiser, et puis ils sont, par je ne sais quelle
process, arriver à cette idée de faire des expositions monumentales, d'abord à l'abbaye des Baux de Provence, parce qu'il y avait des murs extraordinaires, il fallait projeter quelque chose. Ils ont développé quand même une activité qui est assez exceptionnelle. Ils ont réussi à en faire une vraie activité économique. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent là-bas. Ils ont ouvert un centre en Corée. Ils en ont ouvert un autre à Bordeaux. Et c'est aussi une création française. Et quand j'ai commencé à travailler sur le KIF, on voit bien que là, on voit bien une logique qui est une logique qui fait bouger le reste du monde. Si le Grand Palais immersif existe, c'est parce que la Réunion des musées nationaux a dû être choquée par les résultats incroyables de Pompéi. De l'atelier des Lumières. Quand il y a 1 400 000 personnes qui vont voir une expo Van Gogh qui est une projection monumentale sur des murs spectaculaire, ça fait bouger l'ensemble des institutions. Donc, ce qui est compliqué dans le moment que l'on vit, c'est d'arriver à joindre les deux bouts. C'est arriver à joindre la nécessité d'investir dans de la création et de la recherche, et puis de voir apparaître des nouveaux modèles économiques, soit autour de la billetterie, parce que c'est comme ça que fonctionne le théâtre, c'est comme ça que fonctionne le cirque, c'est comme ça que fonctionne le cinéma. Hein, c'est des billets, et le téléspectateur, ou le spectateur, pardon, paye pour voir quelque chose. Donc ça, c'est ce qui commence à arriver avec Culture Espace. C'est ce qui commence à arriver aussi avec le Grand Palais, puisque finalement, le Grand Palais immersif va faire au moins 2 expositions immersives par an. Et quand on dit expo immersive, il faut prendre le temps. J'ai fait un débat hier avec Roy Amit et Stéphane Millière. Il faut bien comprendre que quand ils disent expo immersive, la VR est un des éléments du dispositif immersif. Il y a une heure de vidéo pendant toute l'expo. Il y a des écrans, même en 4, voire en 8K. Il y a 40 écrans dans l'exposition Pompéi. Et on recrée un mélange avec des artefacts, mais aussi des décors, mais aussi des projections qui sont nées d'une autre des techniques qui est en train de s'imposer, qui est celle de la photogrammétrie, née de maquettes informatiques. Et là, on voit bien que cette expo immersive associée à un documentaire rencontre le public. Ce que je crois, c'est que s'il n'y avait pas eu le confinement, c'est sans doute une expo qui aurait fait comme l'Atelier des Lumières, je sais pas, 500 000 ou 1 million de gens qui allaient voir revivre Pompéi. Et ce qu'explique très très bien Stéphane Millière, c'est qu'effectivement, là, il est en train de travailler sur d'autres expos de cette nature-là, parce que ces expos permettent d'aller là où le public ne peut pas aller, voir des épaves sous-marines, parce qu'on ne pouvait pas filmer aussi bien. Et puis maintenant, on va pouvoir créer, imaginons une expo où il y a 30 ou 40 écrans, parce que c'est ça l'échelle. Et évidemment, là, il y a de la création avec de la VR, là, il y a de la création mixte et autres. À l'intérieur de Pompéi, il l'a sorti hier, je ne sais pas si le chiffre est public, ils ont investi 300 000 euros avec Ubisoft pour faire l'expérience VR. Et là, pour le coup, je pense qu'il y avait les moyens de bien faire quelque chose de bien. Et c'est aussi intéressant qu'Ubisoft y soit, parce qu'Ubisoft, c'est aussi le jeu vidéo. Donc, je pense qu'il faut entendre, entre guillemets, le cri des créateurs. Il faut aussi écouter tout ce que nous apportent tous ceux qui sont des entrepreneurs de spectacle, en fait, hein, et puis aussi les institutions. Et il faut accepter, et c'est là où effectivement il y a un travail à faire avec les pouvoirs publics, que c'est une des nouvelles industries culturelles et créatives. Ce que la Bibliothèque nationale de France est en train de faire en gardant toutes ses archives, c'est l'archéologie d'une nouvelle création. Hein, entre du jeu vidéo, voilà. C'est pour ça que c'est très important. Un jour, des gens écouteront ce dialogue en disant « c'était marrant ce qu'il racontait en 2020 ». Fabuleuse transition, justement. Alors, comment on conserve ces œuvres-là? Comment vont-elles être conservées? Je ne sais pas si on est les meilleurs experts pour en parler. Je crois qu'ils sont plutôt. Il faut inviter les gens du dépôt légal de la Bibliothèque nationale. De l'autre côté, mais moi, ce qui m'avait marqué dans une discussion que j'avais eue avec Nicolas Lopez il y a quelques années sur la VR, c'était finalement, on avait réalisé que ces œuvres-là, aujourd'hui, elles sont hébergées sur des plateformes propriétaires, Oculus, Steam, Viveport, qui sont souvent à l'origine des casques. Et il faut un compte
pour y accéder, exactement comme des applications sur nos téléphones intelligents aujourd'hui. Si vous n'avez pas d'identifiant Apple, on ne peut pas, en fait, finalement, vraiment accéder dans quelques années à ces applis. Si on n'a pas de compte, aujourd'hui, Oculus, en plus, a fait la bascule il y a quelques mois. Oculus exige d'avoir un compte Facebook associé à un compte Oculus. Si vous n'êtes pas sur Facebook, vous ne pouvez pas télécharger d'expérience en VR sur leur casque. Ça laisse assez songeur, finalement. Et en même temps, on pouvait s'en douter avec leur achat d'Oculus en 2014. Mais voilà, c'est la question, au-delà des coûts techniques de mise à jour, de l'obsolescence des technologies, du coût d'hébergement aussi, voilà, au-delà des souvent 3 ans que les diffuseurs comme Arte préachètent sur les œuvres. Au-delà de ça, ce qui pose question, c'est effectivement la domination de ce secteur actuellement par des plateformes propriétaires qui ouvrent lieu à des questions en fait, techniques de conservation. Je ne sais pas si je résume bien le problème, mais sur lequel bossent actuellement, je crois, les équipes de la BNF. Et pour nous, producteurs, tous les webdocs qu'on a cités depuis 1h30, il y en a la plupart qui ne sont plus en ligne. Parce que voilà, Arte décide de continuer au-delà des 3 ans contractuels à mettre en ligne certains des œuvres les plus marquantes. Certaines techniquement, par exemple celles qui étaient sur Flash, c'est même plus possible, ou alors c'est un important travail de portage. Et sinon, c'est au producteur de le faire, et nous, on n'a pas les fonds pour ça. On parlait tout à l'heure de l'histoire du cinéma, il ne faut jamais oublier que les copies que récupère Henri Langlois, personne ne sait quoi en faire. Hein. C'est exactement la même histoire. C'est des copies. Et c'est là où on crée des cinémathèques. Et c'est comme ça. Lui, il dit, mais il faut les garder, il faut les protéger, il crée la cinémathèque. C'est-à-dire que pour la réunion pour l'ensemble des acteurs, pour la Bibliothèque nationale de France, il y a une question qu'on pourrait simplifier en disant il faut un cloud. Il faut donc un espace numérique qui soit public, ou peut-être qu'à l'intérieur de l'espace numérique public de la Bibliothèque nationale de France, qui a la capacité d'avoir un dépôt légal ou quelque chose de cette nature-là. C'est le cas. Et ensuite, donner les moyens, avec l'autorisation de ceux qui sont ayant droit. Et donc, c'est une nouvelle dimension de la Bibliothèque nationale de France, c'est-à-dire la cinémathèque, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Mais c'est le cas, hein, et depuis d'ailleurs longtemps. Parce que moi, je me souviens justement quand je travaillais au Louvre, qu'on avait déjà été contacté par la DNF qui crée, non pas le dépôt légal qui lui existe depuis, mais en tout cas cette section numérique pour garder la trace de toutes les productions qui était l'accès. Mais on reste limité avec des soucis techniques. C'est qu'aujourd'hui, voilà. Une œuvre, Quest, par exemple, Oculus Quest, c'est un APK. Un APK, on ne peut pas l'ouvrir sans le logiciel. Mais c'est préoccupant et c'est un vrai sujet. Et en même temps, je pense qu'il ne faut pas en faire un argument contre. Non. D'abord parce que ça desservira le secteur et qu'ensuite, là encore, ça n'est pas une exception. Alors, c'est très frappant. Avec les nouvelles technologies, parce que les évolutions, elles sont ultra rapides. Donc effectivement, en une génération, on vit 4 fois ou 5 fois l'obsolescence. Donc ça nous marque beaucoup. Mais si on compare de nouveau avec l'histoire de l'art, c'est l'histoire de l'art. C'est, toutes les églises étaient peintes. Aujourd'hui, ces peintures ont entièrement disparu. On commence à avoir des traces de tableaux à partir du XIIIe siècle, alors qu'on a peint bien avant, et les seuls qui soient parvenus jusqu'à nous, c'est ceux du Fayoum, parce qu'ils ont été enterrés dans le sable et que ça a été un agent de conservation. Donc Fontana et ses toiles déchirées, c'est un casse-tête de conservation préventive. Et donc c'est une préoccupation qui est intrinsèque à la création. Effectivement, elle est beaucoup plus frappante dans le cas de la création numérique, parce qu'encore une fois, on fait des bonds technologiques tous les 6 mois. Donc effectivement, on est confronté très fortement à cette question-là. Et heureusement que la BNF s'en préoccupe. Bah justement, voilà, Pascal Issartel va dire un mot à ce sujet. Oui, je vais essayer de rassurer, mais
mais en même temps vous solliciter, parce que toute cette préservation, elle ne peut pas se faire sans vous, justement parce qu'on est beaucoup dans l'expérimental. Mais on s'appuie quand même sur, d'abord effectivement, le dépôt légal, c'est 1537, c'est François Ier. Donc il n'imaginait pas, évidemment, que ça aille jusque-là. Donc c'est une tradition longue, avec une expertise qui se développe sur tous les types de publications. Et puis, effectivement, ce coffre-fort numérique, il existe, il s'appelle SPAR. Chez nous, c'est un des plus grands coffres-forts numériques qui répond à des normes internationales et qu'on partage maintenant avec le CNC. Donc ça, c'est une vraie nouveauté qui est importante, cette mutualisation sur l'effort de préservation du cinéma, qui est devenu largement numérique, y compris dans sa distribution en salle, mais aussi qui est par la VOD et par des modes de distribution qui sont maintenant uniquement numériques. Alors, je l'annonce là, Netflix ne le sait pas encore, mais Netflix doit déposer à la Bibliothèque nationale de France. Donc on s'appuie à la fois sur ces expériences qu'on mène, y compris, alors on a commencé bien sûr par l'archivage des e-books, on vient de créer une filière très costaud pour toute la production musicale, et les majors Universal, Sony, Warner nous rejoignent dans l'expérimentation, hein, donc des volumes à conserver qui sont considérables, et on s'appuie donc sur ces différentes expérimentations pour arriver à ces productions complexes, et bien sûr on développe aussi la préservation des jeux vidéo. Et on va tenter de mener aussi avec Ubisoft, notamment, des expérimentations basées sur cette problématique effectivement d'obsolescence des appareils de lecture, ce qui fait qu'on travaille beaucoup, nous, sur l'émulation. Là aussi, dans un cadre international, en échangeant avec d'autres vastes projets autour de ces questions, et que finalement, toutes ces briques construites avec d'autres modes de création, d'autres contenus numériques, nous permettront de, on l'espère bien sûr, de conserver ces productions qui sont éminemment complexes puisqu'elles font un peu la synthèse, ces technologies du jeu vidéo, elles sont, vous l'avez rappelé, extrêmement utilisées dans toutes ces productions. Et puis parfois on est surpris, hein, on tombe sur des formats, parce que la question des formats est fondamentale, quel format conserver, quel format numérique pérenne pouvoir conserver pour une remise à disposition, une diffusion ultérieure. Et là, effectivement, c'est une définition qu'on construit avec vous. La question des métadonnées aussi, de pouvoir garder la contextualisation et tous les éléments aussi qui contextualisent les usages, c'est vraiment des questions auxquelles on réfléchit, et sortir des logiques de format propriétaire, effectivement, de plateformes qui mettent des DRM, des protections. Donc le travail qu'on fait, c'est de chercher le bon endroit de la collecte. Et c'est évidemment avec les ICC qu'on peut travailler pour remonter le plus en amont de la production et malgré tout rester dans un mode qui soit le plus indolore possible. Hein. Le dépôt légal ne doit pas être une charge pour vous. C'est aussi un service qu'on vous rend. Il y a des œuvres qu'on ne peut plus retrouver que à la Bibliothèque nationale. Hein. Claude Lelouch, je donne souvent cet exemple, a perdu son film sur les Jeux olympiques de Grenoble, 10 jours en France. Nous avons une édition, la Cinémathèque de Grenoble aussi, mais nous avons une édition, parce qu'il y a eu une réédition en 1991 par TF1 d'un DVD sur ce film. Et dans quelques décennies, vos productions, vous pourrez peut-être les retrouver là, parce qu'aussi, il y a toutes sortes d'aléas, hein, dans la production audiovisuelle et multimédia, avec des faillites, et on retrouve des disques durs sur le trottoir, et ils arrivent chez nous. Donc voilà, c'est vraiment cette synergie, à la fois entre les filières de création, avec ces technologies qu'on apprend à maîtriser. On mène là un petit peu en urgence une tentative de préservation autour de la technologie Flash qui a disparu le 31 décembre. Donc c'est aussi, on a le dépôt légal, c'est largement ignoré, on a aussi le dépôt légal des logiciels à la BNF, qui est aussi une forme de patrimoine, et par donc ces différentes briques de conservation, par ces objets à conserver, et par l'expertise bien sûr de nos équipes, on tente cette course un petit peu contre la montre, hein, puisqu'il y a une obsolescence qui est largement avancée. Mais on n'y arrivera pas sans vous. Donc c'était aussi le sens de ce lancement que de vous dire travaillons ensemble à cette préservation qui a... Parce que nous, on est persuadés que c'est un patrimoine, parce que le dépôt légal ne crée pas de hiérarchie entre les œuvres, et que justement, on pense quand même que les valoriser à la BNF avec d'autres institutions, c'est aussi une de nos missions pour faire connaître cette création
plus qu'émergente. Bah, très bien. Alors, donc, manifestement, on a des chances que toutes ces productions survivent. Pour continuer un petit peu dans la prospective et pour terminer ce débat, une simple question. Les créations numériques dans 10 ans, ça va ressembler à quoi? Question super simple. C'est impossible de répondre à cette question. Ouais, moi, je pense que c'est ça qui est beau. C'est... On ne peut pas vraiment parier sur ce que ça sera. Qu'est-ce que vous imaginez, en fait? Non, c'est même difficile à imaginer, puisque tout ce qu'on a dit depuis le début, je crois, c'est que justement ce qui est intéressant, c'est la rencontre entre l'imaginaire de créateurs et des technologies qu'on n'a pas encore inventées. Et c'est ce qui fait la particularité de cette forme d'expression artistique. Donc elle est évidemment inimaginable. Donc, c'est effectivement ce qui en fait son intérêt. Ce qu'on peut juste peut-être faire le pari, c'est qu'elle sera ancrée dans une forme de contemporanéité, parce que ça, c'est une de ses particularités, d'être très en lien avec des usages contemporains, parce qu'elle s'appuie sur les outils. Les objets qu'on utilise au quotidien, et ça a priori c'est pas quelque chose qui devrait cesser, mais voilà, ce sera la rencontre magique entre des femmes et des hommes qui ont envie d'inventer, de raconter des histoires nouvelles, de faire vivre des expériences, et les outils qui seront mis dans leurs mains, qui n'existent pas encore. Oui, moi je partage totalement cet avis. C'est difficile de jouer les devins, sachant que cette rencontre est enregistrée et qu'on pourra toujours nous ressortir dans 10 ans le côté où vous aviez dit que les voitures seraient volantes. Elles ne sont pas volantes. J'ai l'impression que ce qu'on appelle aujourd'hui nous réalité virtuelle va encore vraiment évoluer, et qu'on va se sortir du casque et de la lourdeur encore aujourd'hui, du casque lié à des ordinateurs ou à des capteurs, des câbles, qu'on va aller vers quelque chose qui sera beaucoup plus, finalement, presque ce que Google avait proposé avec les Google Glass, mais bien trop tôt, finalement, il y a quelques années, et qu'on aura en fait ce qu'on appelle la réalité mixte, déjà, une sorte de mélange entre réalité virtuelle et augmentée, qui sera finalement sur un appareil qui sera peut-être tout aussi léger que des lunettes de vue, qui sera, voire, intégré à mes lunettes de vue, sans rentrer dans des futurs dystopiques que la science-fiction nous a déjà beaucoup montré, Ready Player One, Minority Report. Et donc je prétends pas du tout dire ce que ça va devenir, mais dans quelle direction morale on va se diriger sur ces technologies-là. Mais en tout cas, sur la question de la forme, on peut peut-être parier là-dessus, sur un allègement du support des appareils, pour quelque chose de beaucoup plus intégré dans notre vie, des écrans beaucoup moins rigides et figés que maintenant. On voit déjà des écrans pliables aujourd'hui, des choses sur des tables qui ne sont pas des écrans le reste du temps, etc. Oui. Enfin, il y a quelque chose de... Ça me fait penser au premier Walkman ou au premier téléphone portable, qui étaient des valises, hein, dans lesquelles on sortait le téléphone. Donc oui, on peut imaginer que ça va se miniaturiser et s'alléger. Moi, j'aime beaucoup la science-fiction, justement parce que c'est des tentatives qui nous font rire, quoi. Enfin, mais qui nous inspirent, comme Jules Verne, c'est toujours magique, hein, avec le recul. Il avait quand même imaginé qu'on irait sur la Lune avec une fusée, quand même. C'était pas... Et donc, j'aime beaucoup ce qui a été fait dans Minority Report, parce que j'ai parlé avec McDowell, celui qui a travaillé avec Spielberg pour le kiff, et j'espère qu'il viendra quand on fera le... Parce que Spielberg lui a dit, je ne sais pas à quoi ça va ressembler, il faut que tu m'inventes un monde. Voilà. Et McDowell est quelqu'un de très marrant, parce qu'il a fait St. Martin School, donc une grande école d'art plastique, qu'il était punk, qu'il a fait des clips, et puis qu'en fait, il s'est retrouvé à Hollywood à créer des mondes. Et il continue, d'ailleurs, il ne fait plus de... Et donc, je crois vraiment qu'on va dans cette direction-là, des créateurs de mondes, qui ont des outils dans les mains. Et je pense que c'est la direction... assez extraordinaire, de quelqu'un qui peut projeter dans l'espace des visions, quoi.
Ça peut être Marcel Proust qui écrit un livre, mais si vous imaginez Marcel Proust qui crée une œuvre, c'est sensoriel. Je pense que l'élément qui nous manque aujourd'hui, parce qu'on est effectivement bloqué par les outils, c'est ce côté sensoriel. Quoi. Il suffit de se balader avec les lunettes Bose, là, qui ont le son qui passe par notre système osseux, pour se rendre compte que c'est incroyable. Le fait que ça passe par l'intérieur, là, ça veut dire qu'on n'est pas coupé de l'extérieur. On entend le son dans l'oreille à l'intérieur, alors qu'on... Et peut-être quelque chose de plus biologique, finalement, sans justement cette interface technique, froide, électronique, électrique, enfin machine, quoi. Il y a sans doute des mécaniques, mais plus biologiques. Donc sensoriel, biologique. Et puis, à un moment donné, on est immergé, on est réduit, on revient à l'état de fœtus, quoi. On devient dans un espace. Dans la matrice. Voilà, dans la matrice. Mais ça peut être positif. Hein. On a passé 9 mois plutôt bien. On ne pouvait pas sortir. Eh bien, voilà, je vous remercie beaucoup de vous être aventuré pour répondre à cette dernière question et pour avoir participé à ce débat. Et voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée.